traverser le pont interprovincial qui relie la Gaspésie au Nouveau-Brunswick. Un geste autrefois banal qui devient aujourd'hui synonyme de retrouvailles pour de nombreuses familles. Depuis au moins un an qu'on n'a pas vu nos gens de la famille, très heureuse de les voir, même si ces gens-là ne pouvaient même pas traverser au Nouveau-Brunswick. On est si près, mais si loin en même temps. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur ce matin. C'est une belle journée. On va pouvoir commencer à voir nos familles de nouveau. Fait que j'avais vraiment hâte de voir mes grands-parents. L'assouplissement aux frontières fait également de nombreux heureux au Madawaska, près du Bas-Saint-Laurent. Je me sens revivre. Ma parenté est tout ici au Québec, moi. Ça fait plaisir de retourner à la maison puis avoir le droit d'aller magasiner comme les autres. Pour le maire de Pointe-à-la-Croix, le retour de la bulle avec le Nouveau-Brunswick est une bouffée d'air frais, autant pour les familles que pour les commerçants. L'aspect économique de la situation qui fait aussi en sorte que les entreprises vont pouvoir sortir un petit peu de l'eau puis regarder respirer un petit peu mieux. Fait que non, regarde, on est super heureux de la situation. Cette restauratrice s'attend à retrouver une bonne partie de sa clientèle néo-brunswickoise qui pourra dorénavant manger une poutine gaspésienne sans avoir à s'isoler au retour. Campbellton et environ représentent environ 20 à 25 % de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même important. Dans cette boutique spécialisée, on estime avoir perdu 40 % du chiffre d'affaires depuis la fermeture des frontières. On voit des vieux clients qui reviennent tranquillement, ouais, déjà un petit peu, là. Du monde qui avait bien hâte de venir nous voir, ils venaient déjà à nous voir dans nos autres boutiques au Nouveau-Brunswick, mais là, ils sont bien contents de revenir plus près de chez eux. Et dès demain, les résidents des régions frontalières d'Avignon et du Témiscouata n'auront plus à s'enregistrer en ligne pour entrer au Nouveau-Brunswick, signe que les routes interprovinciales retrouveront sous peu leur effervescence pré-pandémie. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Pointe-à-la-Croix. Ici Est du Québec.